Hé, hey, Caillou. Grand-père. Avec quoi est-ce que tu joues? Mon jeu de billes. Ça a l'air compliqué. C'est vraiment chouette. Il y a quoi dans le sac? J'avais ce jouet quand j'étais petit. C'était à ton père aussi. Oh, un train électrique? Waouh, c'est vraiment super, grand-père. Je faisais rouler cette chose à toute allure dans la maison à ton âge. De la cuisine, au salon, au jardin. Bon, je ne devais pas le faire rouler vite dans toute la maison et le jardin. Je veux qu'il roule ici très vite. Les trains ne veulent pas tous aller vite, Caillou. Parfois, ils veulent ralentir et profiter de la vue. Faisons un rail lent et régulier, dans un cercle sûr et simple. Ok. Peut-être qu'il peut monter là et faire un looping et faire exploser les confettis. Je ne pense pas que ce train puisse faire des loopings, mais il peut prendre un virage. Bon, bien du plaisir. J'ai promis à maman de faire le ménage avant son retour. Ok. Salut, papa. Et là. Voilà. Ouais, un petit cercle normal pour un petit train normal. Et maintenant, attention! Tu vois, c'est pas beau ça, Caillou? Je peux le regarder une journée entière. Comment ça va ici? Oh, grand-père d'or. Il est très bien ton train, Caillou. J'espérais qu'il aille plus vite. Grand-père accepterait qu'il aille un peu plus vite. Je peux le faire, papa? Bien sûr. Génial! Ce serait bien d'avoir les voies longues comme mon jeu de billes. Grand-père accepterait qu'elles soient un peu plus longues. Peut-être été un peu trop loin. On doit le défaire. Ouais. Oh. Mais peut-être qu'on peut l'essayer d'abord. Prêt, papa? Prêt, Caillou. Dernière partie. Oh,
Qu'est-ce que... Surprise! Mon train! Je suppose qu'il voulait aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je pense qu'on s'est trop bien amusé. Chaud. Désolé les gars, j'ai essayé de brancher le ventilateur mais je pense que ça a tout éteint. Oh mais on y était presque. Moi j'y étais presque. Non, oh. Du calme les gars, je vais actionner des interrupteurs là-haut, on va se geler d'ici peu. Il fait vraiment chaud. Ouais. Je fonds. C'est un petit peu comme... la lave! Oh. Mousseline, reste sur ton île, d'accord? Oh, d'accord! L'escalier! On y sera en sûreté. Tant pis, c'est chacun pour soi. Jamais 201. On n'a pas assez de coussins. Ah, il y a de la place que pour un. Désolé, Caillou. Peut-être la deuxième fois. Oh non, Gilbert! Il va dans le mauvais sens. La pelote! Faut mettre Gilbert en sécurité! Comment? En agissant ensemble! Aha! Et Gilbert! Gilbert, tu veux un jouet? C'était bien pensé, Caillou. T'as bien crié, Léo. On doit encore arrêter la lave. Papa, on a sauvé Gilbert. C'est super, Caillou.
Je devrais avoir trouvé une solution d'ici peu. Ça a marché! Gilbert m'a porté bonheur. Tu sais ce que ça veut dire? Attention, Caillou. Cet arbre est trop grand. C'est très dangereux. Désolé, papa. Vite, Rousseline, allez. Mais où est passé le lion? Caillou, est-ce que ça va? Ça ira, papa. Ça fait partie de l'aventure. Oh, Gilbert, ta patte est coincée. Caillou, je t'ai bien dit de ne pas grimper à l'arbre. Regarde ce qui se passe. Je pensais être le seul. J'ignorais que Gilbert était... C'est important de penser aux autres, Caillou. Tes actions affectent plus que toi seul. Tu vois? Ça ira, Gilbert? Qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète pas, Gilbert. Je serai ici pour te protéger. Gilbert? Gilbert a une petite fracture à la patte. Il faudra le bander ici. Il doit bien se reposer pour quelques semaines. Mais il va s'en sortir? Il va aller très bien. Mais pour l'aider à guérir, il faudra l'aider à faire les choses qu'il a l'habitude de faire. Oh, je peux faire ça. J'adore donner de l'aide. Gilbert, ne fais pas ça. Le bandage va aider la jambe à guérir. Je pense qu'il serait mieux pour la patte de Gilbert de lui mettre un cône. Cône? Alors, comme un cône à glace? Miam! Non, c'est un cône spécial que Gilbert peut porter pour l'empêcher de mordre son bandage. Réveille-toi, paresseux! Voilà! Gilbert, fais attention! Caillou, les chats ne boivent pas de jus d'orange comme nous. Essaye de penser à ce que Gilbert aime. Lâchez le dragon! Lâchez le dragon! Ouais, c'est pas un dragon, c'est un terrible T-Rex! Thank you.
Qu'y a-t-il, mon gars? Gilbert ne veut plus jouer avec moi. J'ai essayé dragon, dinosaure, enfin tout. Il n'a même pas mangé mon petit déjeuner. Tout ce qu'il veut faire, c'est dormir. Caillou, tu te souviens quand t'as cassé ton bras? C'était frustrant d'essayer de faire les choses que tu faisais normalement, n'est-ce pas? La meilleure façon d'aider Gilbert, c'est de se mettre dans ses chaussures. Mais Gilbert n'a pas de chaussures. Imagine ce que c'est d'être Gilbert si tu veux essayer de l'aider. Oh. Ouais. La jambe de Gilbert va bien mieux. Tu as dû bien prendre soin de lui. J'ai juste imaginé ce que Gilbert ressentait. C'était facile d'aider. On est prêt pour la foire, maman. Je veux monter sur les sièges toupies. Ça donne trop le vertige. Oh, je ne pense pas qu'on puisse y aller aujourd'hui. Maman ne se sent pas bien. Mais... La foire? Je suis désolée pour vous. Tu ne peux vraiment pas nous amener, papa. Désolée, je dois travailler. Mousseline, tu me donnes une idée. Si on aide maman à se sentir mieux, on ira peut-être à la foire. Oh, c'est quoi? Docteur Caillou et infirmière Mousseline sont là pour te soigner, maman. Soigner? Je vois. J'ai de la chance. La passion de maman est prête. Terminée. Oh. Ça a l'air chaud. Oh, c'est... jus d'orange. Vitamine C. Ordre de Docteur Caillou. Très intéressant. Achou! Bandage, infirmière Mousseline. Teddy, c'est bien. On veut 50... Non, 100 câlins de Teddy Mousseline. Oh, bien sûr. Un câlin. Deux. Kili. Trois. Câlin. Quatre. 97. 98. 99. Et enfin, 100. Oh, je suis debout. Très bien, Mousseline. Et Teddy? Toi, maman, tu te reposes et je vais parler à l'infirmière dehors. Ouh, ça a l'air d'être une bonne idée. Non, il faut appeler un, deux, trois. Il nous faut de l'aide. Qui peut nous aider? Papa! Oh! Infirmier papa, répondez, infirmier papa. Coach John Vip, terminé. Désolé, Caillou, papa travaille. Mais moi et l'infirmière avons besoin de vous. Et maman?
et maman. Terminé. Infirmier papa arrive de suite. Quoi? C'est ce que je pensais. C'est quoi, infirmier papa? Maman a un sérieux cas de... renifle du pif. On a besoin de mouchoirs. Plein et plein de mouchoirs. Bon, merci, c'est assez. Oh, merci pour votre aide aujourd'hui. Désolée qu'on n'ait pas été à la foire, mais vous deux... Oh, la foire! On s'est tellement amusés qu'on a tout oublié. Tant pis. Nous devrions laisser maman se reposer. Juste encore un peu de médecine. On dirait qu'on a un autre patient, Mousseline. Oh oh. Par ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas un nouveau restaurant, papa. Je veux aller à un autre. Crois-moi, Caillou. Tu vas aimer celui-ci. Regarde. Oh. À ceux qui savent attendre. Je crois pas que je peux attendre, papa. Oh. Hé, vous m'oubliez? Je veux... Bonne prise, Caillou. C'est bon, mais j'ai encore faim. Tout vient à ceux qui savent attendre. Attends, Caillou, c'est... Oh, épicé! C'est très, très épicé! Rouge! Tiens, bois un peu d'eau. Ma langue est en feu, là! C'est du wasabi, Caillou. On doit seulement en prendre un tout petit peu. Ceci va te soulager. Je ne veux rien d'autre de nouveau. Ça a l'air délicieux. Miam, miam. Eh bien, non. C'est délicieux, Caillou. Goûte-en un peu. Je te promets qu'il n'y a pas d'épices. Tu ne sais pas si tu l'aimeras avant de le goûter. Y a-t-il un menu enfant? Il n'y en a pas, mais je peux faire quelque chose juste pour toi. Quel est ton plat préféré? Oh, pouvez-vous faire du fromage grillé? Un peu de ceci et... C'est pas du fromage grillé. Tu es sûr? Fromage? Peux-tu me renvoyer les grues, s'il te plaît?
Je peux pas juste les manger. J'ai vraiment faim. Oh, oh, oh. Tout vient à ceux qui savent attendre. Mais... Je te promets que ce sera le meilleur fromage grillé que t'as jamais eu. Mmh. Oh. Incroyable. Wow. Ça ira, Mousseline? Oh, oh! Désolée, Mousseline, je me suis emportée. Oh? Regarde! Oh? Hein? Mais c'est quoi? Votre fromage grillé, monsieur. Miam, miam. Mmh, c'est délicieux. Mais c'est bien sûr, parce que les bonnes choses arrivent à ceux qui... Attends. Oh. Veux-tu goûter au mien, Caillou? Mais je l'aimais. Tu ne le sauras pas avant de le goûter. C'est un tempura. Voudrais-tu de mon poisson? Que veux-tu essayer d'autre? Le velcourt. Ça vient tout de suite. Que veux-tu faire, Mousseline? On peut aller sur les montagnes russes. Oui! Aller nager. Plouf! Ou jouer au jeu d'arcade. Quack, quack. Non, on fait les canards après. Je pense qu'on devrait... C'est quoi ça? C'est super! Cachons-nous ici. Nous serons ici à l'abri de Gilbert. Il faut que quelqu'un nous protège. Qui peut nous défendre? Ah, Teddy? C'est ça, Teddy. Il nous faut arriver à lui dans le salon. Prête, Mousseline? Prête. Allez. Oh non, maman nous bloque la route. L'aspirateur, ça va nous aspirer. Caillou, va par là. Non, par ici c'est mieux. Vas-y sans moi. Sauve ta peau. Caillou, ça va aller? Oui, maman, ça va. Mais alors, d'où vient ceci? Oh, t'as vu cela, Mousseline? On a vaincu l'aspirateur. Gilbert n'est pas de taille face à nous. Caillou? Il a eu peur.
l'aspirateur, mais pas moi. Caillou! Il est derrière moi, n'est-ce pas? C'était juste. Cela devrait aller si on ne bouge pas du tout, du tout. Je réfléchis. Gilbert arrive. Qu'est-ce qu'on va faire, Mousseline? Mousseline? C'est ça. On peut monter pour arriver à Teddy. Bonne idée, Mousseline. Mousseline, t'as eu raison toute la journée. C'est vrai, Gilbert déteste l'aspirateur. Vroom, 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 vroom. Désolée, je t'ai pas écouté avant. Tes idées étaient juste tout ce temps. Tu veux jouer encore dans ma chambre? Je promets d'écouter cette fois. On pourrait nourrir les canards. On joue aux canards! Quoi, quoi? Oh! Je dois prendre des choses ici d'abord. Oh. Wow. Alors, voilà des tomates, laitue, carottes et... Oh! Puis-je avoir cette barre de chocolat, maman? Ça a l'air si délicieux et... On rentre de suite à la maison pour avoir un bon et sain déjeuner, Caillou. Le chocolat n'est pas une bonne idée. Mais je pense que si... Pas de mais, Caillou. Remets-le, s'il te plaît. D'accord. Merci. Bon, où étais-je? Ah, carottes et poivrons et... Pourquoi pas des concombres? Mousseline les aime. Allons-y, Caillou. Votre monnaie et une petite surprise pour toi. Oh, non merci. Je vais avoir un déjeuner sain. Tu peux le prendre pour plus tard, si tu veux, Caillou. Non, ça ira. Merci, au revoir. Bon, bah d'accord. Une bonne journée. Tu pourrais peut-être m'aider à préparer le déjeuner, Caillou. Qu'en penses-tu? Je peux couper les carottes,
Tu pourrais laver la laitue et les tomates, puis je mélangerai le tout. Cette barre de chocolat, elle n'était pas à toi, Caillou. Caillou? Caillou? Hein? J'ai dit, cela te plairait-il? Où est maman? Oui, délicieux. Merci. Comme tu veux. Oh. Chocolat. Oh, quoi? Cette barre de chocolat? L'as-tu prise dans la boutique de Monsieur Johnson? Caillou, c'est volé! C'est très mal! Comment as-tu pu faire ça? Je ne voulais pas! J'en avais envie et je sais que je n'aurais pas dû la prendre. Mais personne regardait! Et, s'il te plaît, m'envoie pas en prison! Je suis vraiment désolée! Merci d'avoir dit désolé. Mais ce n'est pas juste à moi qu'il faut s'excuser, Caillou. Je suis vraiment désolée, Monsieur Johnson. Voici l'argent du chocolat que j'ai pris. Je n'aurais jamais dû le prendre. Je suis vraiment déçue, Caillou. Tu as fait un très mauvais choix. Je sais. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je te crois. Et j'accepte tes excuses. Seulement, promets-moi de ne plus jamais prendre ce qui ne t'appartient pas. Je promets. Jamais, jamais, jamais. Bien. Rentre chez toi. Ta mère t'a fait un bon et sain déjeuner. Et tu as l'air d'en avoir besoin. Et maintenant, les bagues. Cette stupide robe. Clem, chérie, les bagues. Ah ouais, je les ai ici. Ding. Vous êtes maintenant mariés. C'est le meilleur jour de ma vie. Ding. Tiens, Mousseline. Comme ça. Oups. Bis confetti. Berk. C'est l'heure de la photo. Oh,
La photo. Oh, allons, prenons une bonne place. Allons-y. Attendez, attendez. Je dois trouver la bonne place. Oups, désolée. Voilà, la place parfaite. Tout le monde dit mariage. Mariage! Oh non! Bien! La meilleure vue de tous! C'est le meilleur des jours! Vite! C'est l'heure du gâteau, vous tous. Oh, 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 oh. Mon moment préféré. Gâteau. Oh. Oh non. Oh, oh. Du gâteau sur la tête porte bonheur. Oh, que dirais-tu d'une danse mère-fille? Pop. Oh. Oh, j'aime cette chanson. Allez. Pip. Oh. Oh, Clem, les choses très imprévues peuvent aussi être juste bien. Attention, bon. Meilleur jour de tous. Ouais. De tout, de tout. Attention, bon. On dirait que le vent de la tempête a fait tomber l'arbre. L'arbre va relever? Je ne pense pas, Mousseline. Oh, ma balançoire! Ça se répare? Désolée, Caillou. Faut dire adieu à la balançoire aussi. Mais... j'aime pas dire au revoir. Oh? Mais où Gilbert va s'asseoir? L'arbre était son endroit favori. Je me rappelle la première fois que j'ai apporté Gilbert à l'arbre. Voici ta nouvelle demeure, Gilbert. C'est le jardin. Oh! Oh, Gilbert! Toutes ces nouveautés te font peur, hein?
Hein? L'arbre est gentil, Gilbert. Les arbres donnent l'ombre et on peut s'asseoir dessous quand on est fatigué. Comme ça. Et du tout en haut des branches, tu peux voir vraiment tout. L'arbre n'était pas seulement le favori de Gilbert, mais aussi celui de Mousseline. Mousseline aime arbre. Mousseline aime arbre. Caillou, quelqu'un veut te rencontrer. Dis bonjour à ta petite sœur, Mousseline. Ne t'inquiète pas, Caillou. C'est normal que les bébés pleurent. Comment la faire arrêter? Il faut juste qu'on trouve le moyen pour que Mousseline se sente mieux. Je sais. Il y a peut-être trop de lumière. Peut-être qu'un câlin de son grand frère favori aiderait. Un câlin de moi? Mais elle est si petite. Mais essaye donc. Tu es son grand frère après tout. Mais je ne sais pas comment être un grand frère. Il faut bien tenir sa tête. Elle ne pleure plus. Tu as la formule magique. Tu vois, tu es déjà un super grand frère, Caillou. Ouf! Eh bien, mon meilleur souvenir de l'arbre date de bien avant ça. Mon préféré est le jour où nous avons emménagé ici. Et on a planté l'arbre ensemble. On a planté l'arbre? Je ne m'en rappelle pas. J'étais où? Tu n'étais pas encore née. Tu étais dans mon ventre. Une maison neuve, un nouvel arbre et bientôt un nouveau-né. Cela fait un peu beaucoup. C'est normal de s'inquiéter quand tout est nouveau. Mais ça peut quand même être bien. Il faut prendre les choses jour après jour. Bon, c'est bien. Maman, Caillou, voulez-vous me faire l'honneur? Mais bien sûr. Maintenant, on fera de nouveaux souvenirs avec cet arbre. En pensant avec tendresse à nos vieux souvenirs.